Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, il est samedi 12 octobre et on va à la gare. Il est 10h moins quart et on va chercher mon papa, ma belle-mère et ma petite sœur Chloé qui viennent nous rendre visite pour le week-end. Donc là, on va aller les chercher à la gare, on va leur faire la surprise. Et voilà, j'ai trop hâte, on vous amène avec nous pour le week-end. Mais en fait, le problème à la gare de Bordeaux, et j'avais pas du tout pensé, c'est que y a plein de sorties à plein d'endroits du quai. Il n'y a pas une seule sortie comme à Paris. Donc en fait, pour faire la surprise et venir chercher, c'est pas forcément évident. Parce que s'ils sortent à la sortie là-bas et que nous on les attend ici, enfin. J'espère je sais pas. Ou alors, faut qu'on aille en bas. Est-ce qu'il y a une sortie commune à un endroit? Bah oui, ils sont obligés de revenir dans l'été. Après, ça dépend s'ils sortent dans la sortie qui est là ou celle qui est là-bas. Ouais, tu vois, il y a deux options encore. Ouais. Ou alors, on attend sur le quai et on espère de les voir. Ouais, mais l'autre fois, toi, quand t'étais arrivé, il y avait du monde qui sortait, je te voyais pas forcément. Hein. Ouais. Bon, on attend ici. On est allé faire un petit tour dans le pop-up Cézanne. C'est toujours aussi joli. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. J'aime trop ce coin avec la cheminée qui est magnifique. Des fauteuils aussi. Trop beau. Ce midi, on est allé déjeuner chez Monzu. La dernière fois, on était à l'extérieur et là, on est à l'intérieur. C'est trop trop joli. Et je vais tester la pizza du mois qui a été faite en collaboration avec Lisa Germano. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une blogueuse bordelaise, ça a l'air trop bon. Et il y a mon papa qui est là. Et ma petite Chloé qui est en train de faire du dessin. Tu nous montres tes jolies robes? Elles sont jolies. Trop beau. Oh, t'es trop mignonne. Trop jolie, la pizza elle est en forme de cœur. Bon appétit. Bon appétit. Après déjeuner, on a pris la voiture direction l'océan pour profiter des températures quasiment estivales de ce week-end. J'ai la jupe trempée. Je suis président. Attention, elle a fait la remontada. J'étais trop du cul à la première partie et je suis remontée présidente. C'est la première fois que ça arrive. J'ai fait président, vice et vice président. Il est 18h, c'était vraiment trop trop bien cet après-midi à la plage. J'ai un peu les cheveux n'importe comment, mais avec le sable et le vent, c'était trop bien. On a, oh regardez, on voit le phare. On a joué aux cartes, on s'est baigné un petit peu. On n'avait pas pris les maillots de bain, mais on s'est baigné les jambes. L'eau était pas trop froide, elle était plutôt bonne, c'était agréable. Et là on va aller, je suis un peu essoufflée, je viens de monter cette petite montée là de la dune, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Mais là on va aller manger à l'escale au Cap Ferret, enfin on va aller se balader un petit peu dans le Cap Ferret, aller voir le phare justement de plus proche et aller dîner au bord de l'eau, ça va être hyper sympa. Je sais pas si vous avez remarqué mais moi quand je parle j'ai toujours le petit sourire dans le coin de la bouche. Il dit que j'ai des mimiques quand je parle à la caméra. Et regardez, j'ai inauguré ma nouvelle jupe Cézanne achetée la semaine dernière au pop-up à Bordeaux. Je l'aime trop. Là du coup je la porte avec mes petites minorquines dorées parce qu'il faisait hyper beau aujourd'hui. Mais même en automne, hiver, avec des collants noirs et des bottines, ce sera parfait. Elle est tellement agréable, je suis trop contente. T'as quelque chose à ajouter? Moi, j'ai un petit pantalon aux trois quarts. Aux trois quarts et j'ai ressorti mes petites spérées là. Idéal pour la saison, c'est parfait. On est passé du côté bassin, là c'est tellement joli. Regardez la luminosité qu'il y a ce soir. C'est trop beau. Et là on voit les gens dans leur maison qui sont en train de prendre l'apéro. Ça donne envie, c'est plutôt sympa. Et il y a toute la petite tribu.
C'est la première fois qu'on vient au Cap Ferré en hors saison depuis qu'on a emménagé à Bordeaux. Donc il y a vraiment beaucoup moins de monde qu'en saison, forcément. Mais ça reste quand même assez animé. Il y a du monde en terrasse, les restaurants sont ouverts. Et d'ailleurs, nous aussi, on y va. On va aller dîner à l'Escale juste là-bas, avec vue sur la baie. Ça va être hyper sympa. J'espère qu'il y aura une petite place en terrasse pour nous. On a trouvé une place en terrasse. C'est trop agréable. Et on a même un petit plaid si jamais on a froid. On a pris des huîtres à partager pour commencer. Et on a une petite saucisse. Il nous a dit de prendre un petit bout de saucisse entre chaque huître pour renouveler l'iode, je crois. Enfin voilà, c'est une petite tradition. Elles sont trop bonnes. Ah, c'est trop joli, regarde, avec les petites... Les guinguettes. Ouais. C'est la fête à côté. Et ma petite Chloé, elle a déjà son menu. Tu manges quoi? Escalade de fromage et de frites. Trop bien. Bon appétit, Chloé. On a un petit copain qui est venu nous voir. Vas-y, essaye d'aller le caresser, Chloé. Oh, il t'aime bien. Oh non, mais il est trop mignon. En plus, il a une position vraiment un peu. Il fait le beau, tu vois. Et on continue avec des moules à la plancha. Bon appétit tout le monde. On se retrouve, on est dimanche matin. Je crois que je me suis porté la poisse en faisant ma vidéo transition de dressing. C'est juste maintenant, début octobre, qu'il commence à faire vraiment froid le matin. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de le faire avant. Mais voilà, là c'est le moment et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Parce qu'aujourd'hui, ils annoncent 30 degrés sur Bordeaux et j'ai dû ressortir mes sandales, le short et le petit t-shirt marinière. Prendre pour déjeuner, il y a des spécialités locales, il y a des huîtres, il y a du chinois, il y a la paella. Ouais, il y a vraiment un peu de tout et vous pouvez prendre à manger, il y a des petites tables un petit peu partout, c'est hyper sympa. Donc je sais pas encore quel stand on va choisir, mais on va aller se balader un petit peu dans le marché. J'ai pas beaucoup vlogué depuis ce matin, mais on est allé faire un petit tour à la fête foraine au Quinconce. Et là, on va aller, on est vraiment dans le vieux Bordeaux, et on va aller boire un verre sur la place Saint-Pierre. Bon, ça y est, on vient de les déposer à la gare et nous, on est rentrés à la maison. Bon, je sais pas trop ce que j'ai réussi à vous filmer de ce week-end parce que, bon, quand on est en famille, c'est toujours un petit peu plus compliqué de vlogger. Mais en tout cas, c'était vraiment trop chouette. On a eu un temps digne d'un mois d'août. C'est vrai qu'on a eu 26 degrés hier et 30 degrés aujourd'hui et on a fait pas mal de choses, c'était vraiment chouette entre l'océan hier, le dîner au bord de l'eau hier soir, aujourd'hui le marché et puis aussi se balader dans Bordeaux, c'était vraiment hyper hyper sympa, ça m'a fait super plaisir de les voir, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine, bye bye.